faire sauter les pélés. Genre faire une petite de Ricard, de l'huissier, c'est bon. On va faire une bouteille. Une bouteille, ouais. Mmh. Oh, c'est mais ça, hein. On va faire sauter. Mon cousin, il s'est fait arrêter. Il a excès de vitesse, il a un feu rouge, puis il a coupé une ligne blanche, il a vraiment permis, il était retiré. Il a pas les flics. Ton cousin ? Vous prenez les flics de Francy ? Mais vous prenez aussi un lieutenant qui est un général. Vous essayez de les voir ? Ils viennent souvent. Ils viennent manger avec le... Même les flics, ils viennent manger chez moi. Je viens, j'ai demandé tout ça, je suis sûre qu'il n'a pas demandé. Il n'a pas grandi depuis. Il n'a pas l'air senti. Il est froid. Il a été le réglé. Il va chauffer. Non, j'aurais bien fait du feu, mais la cheminée, comme un moment. Ouais, puis j'ai pas avec le feu de tulle, parce que tu l'as mis au tombeau. Vraiment ? Hein ? Ah bah ouais, mais c'est pas vraiment une... Tu vois, t'as combien de temps de Beauvais ici ? Un quart d'heure. Je mets 20 minutes pour aller jusqu'au lycée. Bon, en quart, en fait. Non, bagnole. Ouais. En quart, on met une demi-heure. Mais je prends jamais celui qui passe par ici. Si je prends celui qui fait du patelin, il faut que je le prenne à 7h moins de quart et puis j'arrive à Beauvais 8h un quart. T'as un quart, t'as un quart. Ouais. Et puis moi, je prends simplement celui à Francy, je prends le direct, il est à 8h moins... Puis j'ai réussi à 8h15. Des fois, on se rend compte souvent. On se sent déjà mieux. Enfin, déjà un peu plus chaud. Ah, je t'assure, pareil, je trouve. C'est vrai, les maisons, elles vont bien ici. Ils ont. Mon grand-père a une peinture. Il y en a les. Un tiers qui a été racheté pour faire les lotissements. Il y a 5 lotissements plus. Moi, par ici, par chez nous, c'est bon. On est pas loin de Beauvais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu campagne, le coup, je l'ai dit. C'est Bretagne. En Bretagne, non. C'est rare, hein. Mais non, c'est trop. Non, c'est pas sacré, mais c'est le. Non, c'est nul, quoi. Pour une ville. Non, c'est pas. Non, mais si, pour une ville, je trouve qu'elle est pas bien. Pour une ville, c'est nul. De quoi ? Bien mieux qu'une ville. Bretagne. C'est une Saint-Jean, en tout cas. C'est un petit Beauvais, là. Un petit Beauvais. Oui, c'est bien, vous savez que je ne sors plus, ça vous. Bretagne, c'est quoi ? Il y a plus d'animation quand même. Pourtant, ils sont moins nombreux que ça. Non, c'est dans la sur la base, ça se met à une dizaine de magasins. Où ? À Bretagne. Après, j'en achète ou à Fédéral ? Non, mais à Bretagne. C'est une dizaine de magasins à peu près. T'as une super. T'as même pas le gars à Bretagne ? Non, c'est conseil. Ouais, c'est une petite supérette, hein, c'est tout, j'ai bien pas pu dépanner un truc. Le nom, ça peut être aussi. Ouais, bah attends. Vous m'avez dit pour quelle heure Non, mais elle a vendu d'une heure. Vous me disiez 9h. Non, parce qu'elle n'a pas été retardée d'une heure. Ça fait 9h05. Ouais, il est 9h. Ouais, bah, l'autre, le maréchal, c'est rare de leur partir. Tu vas partir, il va être là-bas. Non, mais même, je l'aurais topé en... Je ne suis pas trop près, hein. Elle m'ont plus, t'es sûr. Enfin, un bout de doc. Elle me touche. Touche ici. Tu vois ? Touche là. Zia. Mais putain, mais je te jure, elle arrête la semaine de... Ouais. Elle touche ici. Touche là. Ah ça, je te jure. C'est comme vous, là. Derrière, c'est un t-shirt, devant, c'est un pull. C'est besoin. Hein. C'est pas bien. Ouais, parce que celui-là, c'est pas un radiateur. C'est-à-dire, lui chauffe en continu, il va toujours chauffer. Je peux pas mettre un t-shirt. Non, attends un peu quand même. On se cote, tu t'en rends. Peut-être que ça peut tromper comme l'électricité. Bah ça transforme, c'est comme le Eurostar. Ça transforme toute l'intensité, tout courant en chaleur. Ça pompe pas. Tous les trucs, là, c'est... Oui, là, donc, moi, je vais regarder chez moi. 3000 watts. J'ai, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
du chauffage, ils comptent tous 1500 watts. Moi j'ai eu le radiateur. D'accord. Moi je fais pas chauffage. J'ai eu 8 radiateurs et puis dans ma maison à Paris. Bah non, il va être décliné, mais voilà. J'ai eu des problèmes. Je suis dans le salon, bon, c'est plus fou que les meubles. Alors. Parce que tiens, on a un canapé, c'est un canapé d'angle. Mais si on est cheminé, on est obligé de le virer, ça. Enfin, acheter un canapé, oui. Oh, bon, merci. Et là, on ne paye pas le goût. Hein. Oh. Non plus, on a des bois. Mais on a des voitures, on a des bois, on a tout ça. Nous, on n'a jamais. C'est pas grave, mais c'est comme une remarque. Va la ramener. Tu as intérêt, hein. Mais, vous l'avez dit. Ouais. Moi, je suis sûr et certain, il n'a pas demandé à sa mère. Oh, bon, bah, on saura, hein. Elle me sent bien. Parce que lui, il fait trop de ses parents. Tu vois, moi, mes parents, ma mère, elle est assez sévère, mais ma mère, j'ai pas eu le monde tout ce que je veux. Je sais pas, gaffe. Moi, mes parents, même si j'avais le permis, j'aurais dit, bon, ben, ça, j'ai besoin de la voiture, vous le savez. Sinon, ben, je la prends. Mais mon père, il dit, ouais, l'autre jour, pour dire, on était à Saint-Luc, il dit, ouais, il dit, si je peux pas t'amener, tu prends la bonne, il dit, j'en ai rien à foutre, tu te fais arrêter, c'est tout. J'aurais conduit que moi j'ai le droit de conduire, mais avec une personne, ils ont son permis. Là, c'est chaud, je n'aime pas. Ah, mais ça te prend à grandir. Peut-être que là, grandir, moi. Jusqu'au mois de juin, je vais conduire après, mois de juin. Au mois de juin, t'as. Ah, ouais, il y a encore un truc, il faut faire 30 km avant de passer les permis. Ouais, t'as 3 heures à prendre, t'as 2 heures de. 30 km. De... Il faut finir à 7000 et quelques kilomètres. Et puis il faut finir toutes les monde de kilomètres avant de passer l'autre. Que j'avais fait 5 ans, passer plein de temps. Une fois, tu peux le trouver en ligne. C'est pas 3000 avant de. Pas de journée. 3000 bornes. Bah, si t'as internet, tu marques tous les kilomètres que tu fais. Ouais, bon, bon, c'est trop bien. Ça sert à rien parce que tu les fais largement. Le premier rendez-vous que j'ai donné, après moi, 1000 kilomètres parcourus. Moyenne. Un rendez-vous pédagogique. Ma copine, elle a 1500 km dans la gueule et elle a pas de. C'est ce que j'ai marqué sur mon bouquin. De quoi, un rendez-vous pédagogique? Ouais. J'en ai eu qu'un, je vais en avoir trois. Deux minimum, trois fois. On a un bouquin, c'est des. J'en ai eu qu'un. Bouquin qui marque en principe, tu as des tests avant de passer ton test, pour passer ton permis et tout. J'avais des bois, puis des trucs. À la veille. Putain, il est en train de passer le code. Je suis en train. Ouais, le code, c'est possible. La veille, c'est ton examen. On me dit, ah, t'es là. Bon, allez. Je vais me croire, c'est le micro qui va remplir. Tu vois, après, à ton test, moi, il était mis un B, il était mis un A, voilà, c'est bon. J'ai mis, moi, le bonhomme. Il m'a interrogé toujours, il dit, puis tu sais, sur les questions d'alcool, tout ça, je savais bien. Il dit, oui, il dit, quand j'étais petit, papa boit tout. Ben, j'ai dit, oui, je bois pas tout, je suis sérieux. Alors, il me dit, tu sais, il y a pas mal de tests, il y avait un questionnaire comme ça, rien que sur l'alcool. Il dit, oh, ça sert à rien que je te le demande, comme je sais que t'es un gars sérieux, tu bois jamais. Il dit, je te le remplis. De toute façon, tu vas pas lui dire que si je pose des questions avant de conduire, je sais pas, non, vous faites une fête, vous êtes plein, conduisez-vous. Oui. Vous êtes clair, oui. Je vais pas de ma vie, on va la broche et tout. En moto? Non, en voiture. T'as pas eu une voiture? Non, moi j'ai pas permis de voiture. Copain nous amène et tout, je fais la broche. Bon, on est déjà pas mal dans la voiture, là, ici, pas 6, tout ça. Donc, il colle bien, tout ça. Il colle bien, on a ramené les garçons. Ça vole ? Oh la vache ! Il vole le tube ! Non, on ne colle pas, on peut bien. Les maillots de bain et tout, là, c'est fou. Bon, on était bien des chiottes, tout ça. Et bon, on a piqué une tête, c'est dans la piscine. Ouais, dans la piscine. On est dans la piscine et tout. Du coup, on s'essuie, tout ça. Bon, on se remet, on va faire un peu. Copain commence à dormir, j'ai dit vas-y, dors, c'est pour partir. C'est 25 minutes pour finir. Ouais, il est arrivé à quelle heure? Il est 5-10 minutes. Il est 9h05? Hein? 9h05, 9h10. De quoi? Il est 9h05, 9h10. Copain, entre 5 et 10, 9h05. À 5h, on le ramène, on dit ouais, ça va. Peut-être, bon, il a repensé des trucs et tout, il dit ouais, c'est bon, ça va. On repart dans la caisse, tout ça. Et puis, c'est entre, quand c'est les 10h, c'est les 10h. Jusqu'à là où soit, c'est de la route, la belle route, hein. Ouais. Donc après qu'on disait que ça fait 5 ans, en plus la bagnole de sa mère. On disait, ah, puis tu sais, la route est tellement belle que ça, écoute de la musique. Et bon, elle est. Trop dormi. Ouais, c'est 5. Tu vas devant, et il commence à piquer la tête, et t'écoutes le carrosse, ça ne dort rien, tout ça. Ouais, ça c'est pas bon, ça faut. Bon, en plus, sa musique, c'est sa musique, elle était assez forte et tout. Moi, j'étais derrière. Puis les deux copains, pareil, ils dormaient.
Clairement, pour eux, on était déchirés. Moi, j'avais un bon coup, un coup, mais enfin, j'ai dit, bon, bah, je vais te dire, j'essayais de tenir, ça. Tu sais, j'y parlais, comme ça, je dis, ouais, ça va, ça, ça. Puis à ce coup, je sais pas, moi, je me suis endormi, ça. Tu t'es assoupi, quoi. Ouais, je me suis assoupi, quand même. À ce coup, je me suis réveillé, je sais pas pourquoi. Je commence à parler, puis il me répond pas. À ce coup, je vois, oh, hop, pleine gauche. Le mec, c'est fou. Alors, je sais, stop, derrière cette dossier. Ouais. Je regarde, et il me dormait. En plus, c'était derrière, alors. C'était vachement plus tôt. Je lui donne des claques, je lui dis, il me fait ça, hein. Il regarde, c'est sur sa droite. Il me voit refoussé, il me dit, eh, oh, tu dors. Non. Je lui dis, arrête, t'es en pleine gauche. Il me dit, dormais carrément, tu vois. Moi, j'ai un copain, moi, tu peux lutter, mais au bout d'un moment, tu peux plus. Bah oui, j'ai un copain, tu sais, il m'a raconté. Mais ça fait bizarre. Ouais, c'est comme toi, la fille de ma vie. Hein. Et ce gars-là, là, il fait souvent des trajets de tube. Il va à Bouvieux, il va à Compiègne, il va à Beauvais, parce qu'il fait des pleins de bar. Souvent, il rentre très tard le soir. Il me disait qu'un coup, il était crevé, il faisait des complots dans sa voiture. Style, il était au volant, il fermait les yeux, puis il comptait. Il faisait une. Après, il faisait une, deux, hop, il revoit les yeux. Après, une, deux, trois. Tu sais, voir combien de temps il pouvait tenir dans une ligne droite sans chavirer. D'un coup, arrivé à un certain nombre de secondes, enfin, de 30 ans, il a carrément été sur la gauche, il a bouffé le talus. Ah, tu sais, il roulait sur l'air. Puis là, il s'arrive, une part de pas possible. Il s'arrive sur la droite, puis le volant, il continue, il fait, c'est pas possible. Tu sais, dans ta tête, tu te dis, tu vas combien de temps tu peux durer. Mais à force de longtemps, en fait, tu t'as subi complètement. Puis ah bah, c'est ce que tu fais, par rapport, il s'est fait. Mais c'est pas ça, c'est pas bon. Tu piques du nez, toute la fenêtre. Surtout le soir, il fait ici, c'est un petit après. T'es prêt pour lui? Hein? Faire le jeu. Non, mais on me donne la main. Non, participe d'après ça. Ouais, après, c'est rien. Capitaine, mais... pif, pense. Ah non, on peut pas du sec, parce que ça fait dégueuler. Et qui s'est mis dans les cheveux tout juste? Hein? Ah, rien du tout, c'est des conneries, c'était bon. On va se faire pas de cul sec. Un petit pendu? On va normalement, toi. Tu sais, on vous dit, on discute, on fait des conneries. On va manger, surtout. Attends, je vais battre Martin. On l'attend. Et puis un coup, on jouait au tennis. Hein.